Waouh, c'est extraordinaire. Madame et monsieur, bonjour et bienvenue sur Nyanske Barana. Je suis de cette vidéo, c'est tous abonnés. Si vous êtes nouveau et que vous n'êtes pas abonné, vous pouvez nous rejoindre en cliquant sur s'abonner, cliquez sur la cloche de l'activer. Et quand vous serez touché par ce message, cliquez sur j'aime. Hier, dans le témoignage puissant qui apparaîtra même à la fin de cette vidéo, nous avons découvert des choses hors de commun. Nous avons découvert que des célébrités déjà vivantes sont déjà en enfer. En fait, une personne a vu des personnes connues de ce monde, vivant même en ce moment, qui se trouvent encore en enfer là-bas. Comment quelqu'un peut être vivant ici et on peut le revoir là-bas en enfer? Mes frères et sœurs, c'est la personne que vous revoyez en enfer là-bas. Ou encore, la personne que cette femme a vue, ce sont les âmes, vos esprits, les esprits de ces gens-là. En fait, quand vous êtes sur le mauvais chemin, le diable inscrit votre nom direct dans ce qu'on appelle le livre de l'enfer. Parce que chez Dieu, il y a le livre de vie. Mais chez le diable, il y a ce qu'on appelle le livre de l'enfer. Et le livre de l'enfer est là pour accueillir les gens qui vont aller en enfer. On écrit tout simplement votre nom. Et quand votre nom est inscrit dans ce livre, ce qui se passe après, c'est que vous n'êtes plus la même personne. Ce qui se passe, c'est que vous n'êtes plus dans la même dimension. Et vous êtes tout simplement perdu. Parce que vous-même, au commencement, vous étiez sur la mauvaise base, vous étiez sur le mauvais chemin. Donc, les démons, c'est facile pour eux d'écrire votre nom. Ça fait que quand vous êtes dans cette dimension, on va dire que vous êtes habillé par un vêtement noir. Un vêtement noir automatiquement vient se positionner sur vous. Et à cause de ce vêtement noir, vous retrouvez directement sur un chemin qui mène directement au séjour des morts. Et ce chemin là existe, et vous pouvez même vous retrouver là-bas, même étant vivant, même dans ce monde où nous sommes ici. On peut constater que des gens sont vivants comme ça, ils marchent même parmi nous, mais spirituellement parlant, ils sont déjà morts. Ce sont des choses qui sont réelles. C'est pourquoi il faut bien analyser sa vie. Et il faut tout mettre en œuvre pour ne pas être poursuivi même dans vos rêves. Quand vous vous endormez, que vous avez des songes, veillez à ce que vous ne soyez pas poursuivi. Et si on vous poursuit, cherchez Dieu. Ça, ce sont les sorciers qui font ça. Ce sont les agents du diable qui, pour la plupart du temps, qui se mettent tout simplement poursuivre les gens, pour capturer les âmes, même les emprisonner dans la prison des sorciers. Et la prison des sorciers, déjà, ça existe. C'est une prison dans laquelle les sorciers ou les satanistes vous positionnent. Et une fois que vous êtes dans cette prison, plus rien ne va dans votre vie. Plus rien ne va dans votre vie. Et tout ce que vous faites est déjà contrôlé. Tout ce que vous voulez dire, tout ce que vous dites, toutes vos intentions, tout. Tout sous contrôle. On vous observe. Et c'est exactement ce que le diable est en train de faire. Le diable cherche à positionner le maximum d'hommes sur le chemin de l'enfer. Et vous, si vous pactisez avec le diable, par exemple, faites un pacte avec le diable, ce qui va se passer, c'est que vous allez vendre votre âme. Qu'est-ce qu'on dit? On dit que la personne a vendu son âme au diable. En fait, quel est cet effet-là? En fait, quand toi tu vends ton âme au diable, en vérité, quand tu vends ton âme au diable, ce qui se passe, c'est que ton âme là est capturée par le diable. Puisque tu l'as déjà vendu sur ton âme. Tu l'as déjà vendu. Donc, il a capturé ton âme et il fait de ton âme ce qu'il veut. Et il peut précipiter ton âme déjà dans cette prison-là, qui est le chemin en même temps qui va te mener directement en enfer. C'est-à-dire que toutes les personnes qui ont vendu leurs âmes au diable sont censées aller après en enfer. C'est le deal. C'est
c'est le deal. Et c'est leur deal. Les frères et sœurs, nous allons vous dire. Et c'est exactement ça. Les effets de ce truc-là. C'est que après, tu vas directement en enfer. D'abord, ton nom est inscrit dans le livre de l'enfer. Et plus tard, tu te retrouves en enfer direct. Ça fait que les gens, si tu veux aller les voir physiquement comme ça, en train de marcher. Mais vous pouvez vous endormir et vous allez avoir des songes où ces gens-là sont déjà en enfer. Comme ce témoin puissant que nous avons suivi hier. Ne vous inquiétez pas, à la fin de cette vidéo, la partie soit ici ou là. Vous pouvez encore regarder encore ce témoin si vous n'avez pas encore regardé. Et ces choses sont réelles. Nous allons vous dire que déjà vous devez commencer, vous, à analyser votre vie. Pour voir si vous ne suivez pas quelqu'un qui a déjà vendu son âme au diable. Parce que si vous suivez et aimez une personne qui a déjà vendu son âme et que vous faites exactement ce que cette personne fait, ce qui va se passer dans votre vie, c'est que vous aussi, puisque vous êtes imitateur, vous que vous idolâtrez cette personne parce que c'est votre star, ce qui va se passer, c'est que vous aussi, vous allez la suivre là où elle doit aller. Parce que elle, son contrat avec le diable est que elle gagne du succès sur vous. En fait, en vous menant aussi sur les mêmes, sur ces mêmes traces, sur son même chemin. En vous conduisant également en enfer. Et ce qui est étrange, c'est que vous-même, vous allez remarquer à leur concert qu'ils vont capturer vos énergies. En plein concert, il y a vu une star. Elle a demandé à ce que tous ses fans lèvent les mains et étendent ses mains vers elle. Pour qu'elle puisse ressentir leurs énergies. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est du yoga? Peu importe ce que c'est que quelle énergie tu veux ressentir? C'est quelle énergie elle veut ressentir? Mes frères et sœurs, elle va vous affaiblir. Elle va vous affaiblir. Ah, franchement, vous serez surpris. Ces gens-là sont mystiques. Quand les gens veulent avoir du succès, ils décident de rentrer en contact avec les démons. Ces gens-là, ils décident de rentrer en contact avec les mauvais esprits. Et ce que ça donne, c'est que les âmes des gens sont vendues. Et quand la musique s'introduit dans des gens de deal mauvais ou encore noir, ce qui se passe, c'est que le maximum d'âmes se retrouvent sur le chemin de l'enfer. C'est pourquoi aujourd'hui, tu dois vraiment faire très attention à la musique que tu écoutes. Parce que sans le savoir, tu peux même céder ton âme au diable. Rien qu'en écoutant une musique ou encore en supportant une personne qui a vendu son âme au diable, que tu aimes, que tu appelles même ta star. Donc fais très attention. Si tu as une des personnes que tu connais, qui est ta star, s'est confessée pour dire qu'elle a vendu son âme au diable, toi mon frère, fais attention parce que ton âme est en danger. Ton âme est déjà même sur le chemin là même qui mène là-bas. Et oui, tu es déjà sur le chemin. Parce que toi, tu n'utilises pas ta bouche pour louer ton Dieu, pour glorifier ton Dieu au travers de la musique. Mais tu glorifies Satan au travers de la musique profane. Et la musique profane est vraiment cette musique-là qu'il faut vraiment éviter. Il faut éviter de chez éviter. Parce qu'elle n'instruit pas sur le bon chemin. Elle ne te conduit pas sur le bon chemin. Elle t'amène même à combattre la parole de Dieu. Du coup, le diable va gagner sur toi. Il va gagner un point, un bon point sur toi. Une fois que son point est sur toi ainsi, toi, tu ne pourras plus voir, plus mériter le paradis. Parce que le diable t'a déjà contrôlé. Parce que le diable t'a déjà eu. Tu lui as déjà suivi ton âme. Mais c'est incroyable. Ah! Donc beaucoup d'âmes sont en train de tomber là-bas en enfer comme ça à cause de ce genre de trucs là, de ces choses simples que l'on dit c'est simple. Ah, je ne savais pas, mais c'est voici ce qui arrive. Regardez encore le témoin puissant précédent, vous en saurez plus sur le sujet et ne manquez pas la prochaine vidéo sur Nyanse Bon. Si vous n'êtes pas abonné, comme on vous l'a dit, abonnez-vous, cliquez sur la cloche, cliquez sur j'aime déjà pour nous faire comprendre que vous êtes chaud et prêt à me magasiner ce témoignage. Et regardez là, elle apparaîtra soit ici. Oula, que Dieu bénisse frère et sœur. Merci de vous.